les deux co-auteurs du livre, Laurent Turcot et moi-même, avons été contactés, je dirais un peu par coïncidence, par hasard, par les concepteurs du jeu. Et ça nous a semblé, en revanche, à l'un et à l'autre, et nous ne nous connaissions pas à ce moment-là, tout à fait passionnant de rencontrer un monde qui traite de l'histoire d'une façon qui nous est totalement étrangère. Ce nouveau média-là est en train de concurrencer ce que nous faisons, est en train de doubler complètement tout l'enseignement de l'histoire qui est distribué dans les lycées, dans les collèges, mais dans le monde entier quand l'histoire est enseignée, et que si nous n'en tenons pas compte, nous passons tout simplement à côté d'une réalité. Le passé n'a jamais appartenu aux historiens, et que le passé a toujours appartenu aux romanciers, aux dramaturges, aux peintres, aux cinéastes. Bon. Donc il est impératif d'intégrer dans la réflexion collective ce média et d'essayer de ne pas en être aveuglé par lui, ni de le déprécier, bon, c'est pas l'objet du livre, ni aussi de le prendre pour quelque chose qui serait totalement neuf et qui apporterait un éclairage qui serait indispensable. Ce n'est pas vrai. Bon, on est dans un entre-deux, là. Ce qui est une révolution avec le jeu, c'est cette participation du joueur, cette implication personnelle sensible du joueur. Ça, effectivement, là, on est dans une dimension qu'aucun autre média ne peut avoir. On peut se poser la question de savoir si le jeu répond à une demande qui avait été formulée par Taine, qui, pour apprécier une période, une époque, il fallait la voir, et que jusque-là, finalement, ce n'était pas possible. Alors, c'est sans doute vrai. Maintenant, moi, il me semble que c'est pas si simple, que les choses ne sont pas simples, parce que le jeu, quels que soient les jeux, même si je ne suis pas un joueur, j'en ai vu un certain nombre, tous les jeux sont malgré tout formatés, codés. Donc le joueur est dans un paysage, voit ce paysage pour des actions qui sont particulièrement ciblées et particulièrement programmées. Le livre est en fait, de ce point de vue-là, un essai de compréhension de ce que ça apporte, de quel univers ça rend compte, et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme réflexion pour comprendre l'histoire, mais aussi pour la transmettre. Ce jeu donne à voir un certain nombre de choses, mais il était nécessaire de rappeler ce qui n'avait pas été vu dans le jeu. Donc, ce qui n'est pas une critique du jeu, qui est tout simplement cette mise en contexte, cette mise en perspective, et avec une autre mise en perspective qui est certainement aussi indispensable, c'est que le jeu traitant de la Révolution est un jeu qui a reçu immédiatement en France un accueil très polémique, parce qu'on s'est rendu compte que la Révolution n'est décidément pas terminée et que toucher à la Révolution, ça entraîne automatiquement des réactions et des réactions très polémiques. Donc il était nécessaire aussi de rappeler, que, au moins pour le lecteur français, que ce jeu avait été une espèce de ressenti au moins comme une espèce de provocation, littéralement. Là, les connaissances qui passent au travers de ce jeu sont, dans un certain nombre de cas, et dans beaucoup de cas, il faut dire les choses simplement, fort éloignées de ce qu'on sait de la période révolutionnaire et de ce que les travaux, même anciens, ont donné, que ce soit les vêtements qui sont évidemment pas les vêtements du XVIIIe siècle pour les héros, hein, puisque les héros peuvent être customisés avec beaucoup de vêtements qui n'ont rien à voir avec les vêtements de l'époque, mais aussi même sur la violence révolutionnaire. La révolution sur la violence, c'est pas la révolution, mais la violence qui est présentée par le jeu, même si elle est importante, elle est malgré tout très atténuée par rapport à ce qui s'est passé réellement. Donc l'écart entre ce qui s'est réellement passé,
et qui est établi quand même par l'histoire universitaire ou l'histoire classique, et le jeu, on est quand même à quand même avec une grande distance. En tous les cas, ce dont je suis à peu près certain, c'est que, et je le dis d'une façon très, aussi très simple, c'est que ce jeu-là, qu'on en pense ce qu'on en veuille, si les enseignants du secondaire n'en tiennent pas compte, ils vont avoir certainement là de graves difficultés de communication avec des élèves qui auront eu l'habitude de jouer et qui auront dans la tête ces images-là, et que d'une façon ou d'une autre, il faudra, un, savoir que ces images existent, et deux, pouvoir en discuter.